Ah, on est bien, hein. Ah, il y a plus d'essence. Ah oui. Ça fait trop vite. Et toi, et ça fait combien de chevaux ça? Celui-là, il fait 8 chevaux. Ah oui, par contre, maintenant il parle de 200 chevaux. Ce qu'il y a comme différence, c'est que celui-là a été fabriqué aux États-Unis. En fait, en route aussi. Ah oui, il faut. Non, c'est ça, c'est un Tigri, je pense. Mais. Dans la charrette Latini, le Tigri va revenir à la maison. Ah oui? Avec ça. Ça, oui. C'est une machine à cidre. Oh. Non, attends, là il y a du boulot, hein, pour peindre ça. Pour les couleurs d'origine, c'est ça. On ne savait même plus comment étaient faits les lattes là, parce que même là, je suis sûr, au bout, il manque quelque chose. Oui, non, mais il y avait un arceau dessus. Ouais. Comme la barque. Oui, ouais, plutôt de ce genre-là. Ouais. Aussi, c'est ce que. Avec un système de. Mais plus ample, je crois. Mais c'est vrai que Bernard, il n'avait pas de photo. Il dit, bon, non. Puis on va laisser comme ça, on verra. Je suis à sombre dans des photos quelque part. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a peut-être de certaines régions oui, avaient leur. À l'époque, ça lui avait plu, puis ils avaient acheté ça neuf, mais c'est tout. Hein. D'accord. Et on en connaît une autre sur la basse Normandie, mais sinon, ailleurs, je n'en ai pas entendu. Hein, c'est noir en vrai. On mettait du scorie là-dedans. La structure était pourrie. Il y aurait des lattes ou autres, bon, ça allait encore, mais là, il a fallu reconstruire. Alors, donc, il faisait des batteuses cormiques et puis des tracteurs, alors. Non, oui. Ouais. Et au fond, la bleue, là, c'est une. C'est ah oui, d'accord. C'est pareil que la bleue. Ah oui. Ah d'accord. Ah ouais.